truc, c'est que je me rappelle même pas de ces moments en fait. Et pourtant, ils étaient assez importants pour que je les écrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite vidéo souvenir. En gros, j'entends quoi par une petite vidéo souvenir? C'est qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais un journal intime et je racontais un petit peu plein de bêtises dedans. Et je l'ai tout simplement retrouvé. Et du coup, bah, je me rappelle plus trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va voir en direct avec vous toutes les petites bêtises que j'écrivais, quoi. Donc, je vous présente mon petit journal intime. Il est comme ceci. De base, il y avait une espèce de fermeture, mais vas-y, les années sont passées. Vous avez capté. À l'ancienne. Ah, je suis mort. Ça, c'était mon téléphone, parce qu'à l'ancienne, j'avais un Alcatel. J'avais un Alcatel. Je crois pas qu'il était violet, je sais pas s'il était violet ou pas. Et je l'ai redessiné, je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas du tout vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Snob, j'ai marqué snob partout, mais je comprends pas. Je sais pas du tout. Ah, ça fait trop bizarre. Victoria, oh là là, ça c'était un dessin de ma pote Rama. Rama, si tu passes par là, je sais qu'elle regarde mes vidéos de temps en temps, Rama. Bah, il y a ton dessin là. Je suis mort. C'était en 2013. Oh là là. La retirer. La retirer. Quoi? Je crois que je voulais écrire la rentrée, mais je sais pas. Je croise Valentin devant le collège. 2 heures de perm avec Rama et CEV. C'est qui CEV? C'est qui CEV? Oui, c'est qui? On est plus plus. Je vais être. Sérieusement. On est plus plus plus. Oui, attendez, j'ai pas capté. Genre, attendez, attendez. Là, j'ai marqué. On est plus plus plus. Mais wesh. Ah, comment je pouvais me comprendre à cette époque-là, là? Eh, je comprends pas. Genre, je suis en train de lire. On dirait que je suis en train de lire le journal de quelqu'un d'autre tellement je capte rien. Ça, c'était un de mes dessins aussi. Parce que j'ai toujours aimé dessiner quand je m'ennuyais. Et tout le temps, je faisais des petits dessins. Eh, franchement, là, je me dis que mon niveau en dessin, il a augmenté, hein, parce que là, c'est quoi cette chose? Oh, à l'ancienne, gratuit! Alors, moi, j'étais une fan incontestée de gratuit, c'est-à-dire que j'avais tout gratuit. J'avais les petites étiquettes gratuit où je marquais mon prénom. Lui c'est Daniel, comme c'est écrit, lui c'est Daniel. Il joue dans Grachi, une série espagnole qui passe sur Télétoon. Il est trop beau, hein, c'est vrai. Hey, Daniel est trop beau pour de vrai. Lui c'est Chema, le cousin de Daniel. Il est beau, non? Ouais, c'est vrai, il est beau. Hey, genre, je sais pas, dans tout mon journal, je me rappelle que dans tout mon journal, je mettais que des points d'interrogation à croire que je parlais avec quelqu'un alors que je parlais toute seule en fait. Ah, là c'est la partie avec Grachi et tout ça, Graciela et Mathilda. Alors, j'avais écrit quoi? C'est Grachi, elle est trop belle, elle s'appelle Graciela, mais on l'appelle Grachi. Elle est une sorcière, elle va l'apprendre au fur et à mesure des épisodes. Elle aime Daniel, qui est le copain de Mathilda. Mathilda, elle est belle, mais énervante. Elle est aussi une sorcière, c'est la petite amie de Daniel. Elle est aussi la meilleure amie de Grachi. Quoi? Elle va se battre avec Grachi pour récupérer Daniel. Hey! Je faisais des bons résumés! Ça, c'est Doremi Magique! Thomas, Léon. Oh non! Oh, c'est une blague en fait! Il y avait. Là, c'est la page Thomas. Là, c'est la page Léon. Pour ceux qui regardent Violetta, vous avez capté Thomas, Léon. Ah là, je suis choquée là de tout ce que je retrouve. Tal, Nayol, Nayol, Nayol. Oh là là! Parce qu'à l'ancienne. Enfin, je suis toujours une directionneur. Et. Et genre j'aimais trop Naël Oran. Désolée si j'écorche son nom. Et ouais, il y a grave marqué son nom partout avec Tal. Tal Talent. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça là, genre. Tal Talent. Tal, le sens de la vie. Domifa, Domifa, Domifa. Introduction. Ah, oh, parce qu'à l'ancienne, je faisais du clavier. Même si j'étais pété.
Et je m'entraînais à faire des musiques que j'aimais bien. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans savoir. Oh là là, je suis mort jusqu'à j'écris les paroles en dessous. Mais oui, mais fallait me réveiller à cette époque-là. C'est une dinguerie en fait. Tatoue-moi refrain. Do, ré, mi, do, si, do, mi, fa, mi, ré, mi. Tatoue-moi, c'était l'une de mes chansons préférées. C'était juste jusqu'à maintenant, c'est une de mes chansons préférées. C'était de Mozart l'Opéra Rock. Ah, je suis mort. Section d'assaut. C'était laquelle ça de section d'assaut que j'avais mis? Ah, l'ancienne. Ça, c'est une des photos que j'avais prises quand j'étais partie en Angleterre. Bah, c'est écrit là. Ah, franchement, j'avais du talent quand même à regarder les petites tornades roses comme ça, fond noir, tout ça. J'étais talentueuse. Alors, lundi 28-01-2013. Aujourd'hui, une belle journée. Ça s'est bien passé au collège. J'ai appris plein de choses sur deux personnes de ma classe, des choses très intéressantes. Vraiment, ah là là, je m'ennuie au collège, rien à faire. La preuve que j'étais vraiment une fouineuse à l'ancienne, genre, j'étais vraiment une fouineuse. Alors, mardi 29-01, cours de Monsieur Ronfort. Oh, Monsieur Ronfort, c'était mon prof de musique. Eh, c'est un bête de prof, je le kiffe jusqu'à maintenant. Je m'ennuie à la flûte et moi, je veux chanter. Ouais, c'est vrai, genre vraiment, la flûte, ça n'a jamais été mon délire, la flûte. Mais je kiffais chanter, mais la flûte, c'était vraiment pas mon délire. Je lis des mangas devant la télé, c'est genre, Jav, excusez-moi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce mot? Et attendez, j'écris quoi, s'il vous plaît? C'est grave, c'est Jav. Je sais pas ce que j'ai écrit. Évidemment que moi-même, je sais pas ce que j'ai écrit, c'est une blague. Lundi 4-2-2013. Les filles m'ont foutu la honte. Elles ont appelé Andrew dans mon dos avec mon tel et ils m'ont dit salut mon coco. Tu vois la honte? Je veux me venger. Je suis mort. Je suis mort. Ce qui me tue, c'est que je me rappelle même pas de ces moments en fait. Et pourtant, ils étaient assez importants pour que je les écris. 5-02-2013, toujours. Salut, aujourd'hui, les filles m'ont fait remarquer que Diego était devenu gentil. Moi, j'avais rien remarqué avant, mais je dois dire que c'est pas faux. Il m'a donné ce stylo. C'est celui avec lequel j'écris. C'est vrai qu'il est devenu gentil. Ok! Je crois qu'à l'ancienne j'avais un problème avec Diego, mais je vois pas lequel. En fait, je me rappelle même pas parce que Diego, maintenant, c'est grave mon pote en fait. Aujourd'hui, mercredi 7 mars 2013, c'était une sublime journée. Oh, je me rappelle de ça. C'est parce que j'étais partie à regarder Sublime Créature. Et Sublime Créature, c'était un film que j'avais grave envie de voir et j'avais grave kiffé ma journée en fait. J'ai vu Sublime Créature au ciné. Oh là là, Ciné Mazarin, c'est à Nevers ça. Parce que j'habite aussi à Nevers, parce que j'ai des maisons, genre j'habite en région parisienne, mais aussi en Bourgogne, à Nevers. C'était grave, genre. J'ai acheté des becs à volonté, enfin des becs, genre des bonbons, mais c'est pas moi qui les avais achetés, c'était ma tante. Ah ouais, regardez. Ça, c'est les tickets de bus en Bourgogne. Genre, ils sont grave pas comme en Île-de-France. Hey, frich! Déjà, il y a marqué Taneo, s'il vous plaît. C'est grave pas le même truc. Oh, je suis mort. Là, j'avais fait une page, genre, avec toutes mes copines. Le nom de toutes mes copines. Hey, c'est. Oh là là! Hey, la plupart des noms qui sont ici, c'est plus des potes à moi en fait. Alors, c'est avec qui? Béjaouer, Rama, Jessica, Elisa, Wissam, Maïmouna, Rabab, Myriam, Gloria, Dalal, Siam, Hachimata, Aya, Marwa, Taragi, Inès, Rose Carla, Roman, Sarah, Chelsea, Alicia, Inès encore, Astrid, Farah, Damani est tête! Oh là là! Oumu, Chelsea, Camilla, je crois que j'ai déjà dit, mais je suis pas sûre. Oh, je suis mort! Là, il y avait. Là, il y avait une liste aussi, mais c'était pour mes potes garçons, genre. Alors, il y avait Diego, Riyad. Oh, je
je suis mort, eux deux, je les avais en tournée, j'avais dit ça dépend des journées, genre c'était mes potes, mais pas tout le temps. Anas, Maxence, Christopher, alors Giovanni, Nicolas, Lucas, c'est qui Lucas, oui. Je me rappelle même plus Lucas, oui. Oh, Lucas, mais c'est Lucas, à l'ancienne. Joachim, Christian, oh là là, Christian, il a disparu. Andrew, Adela, bienvenue, Jean-Philippe et Alban, off. Les derniers prénoms que j'ai dit, c'est des personnes que je kiffe de ouf. Même si on se parle pas tout le temps, genre quand je les vois, on a toujours plein de choses à se dire. Je crois que ça va être la dernière page que je vais vous lire parce que ça commence à devenir grave long et il y a encore pas mal de choses. Donc si la vidéo elle vous plaît, bah n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai peut-être une partie 2. Samedi 9 mars, il est 6h36, alors en vrai on est dimanche, mes potes me manquent trop. Mais bon, ici je m'amuse bien, je fais des crêpes, je prends des photos. Je fais du vélo, je fais les boutiques, je m'amuse avec mon HTC. Mon HTC, ah, je crois que c'était mon téléphone à l'ancienne. Bref, c'est cool. Dans quelques heures, je vais aller à l'expo de la 13e foire de la BD. Oui, oui. Est-ce que j'y suis allée même à l'expo de la 13e foire de la BD? Je suis pas sûre. Je vais vous faire une dernière page. Wow, à l'ancienne, genre j'écrivais des poèmes à l'ancienne, je sais pas pourquoi. Quand je m'ennuyais de ouf, j'écrivais des poèmes. Alors, le poème s'appelle Éternité, attention. 24 heures c'est égal à une journée, 60 minutes est égal à une heure, 60 secondes est égal à une minute, une seconde sans toi est égal à une éternité. Mais j'étais une artiste en fait. Mais j'étais une poète en fait. Jusqu'à j'avais marqué mon blaze et tout en dessous et tout. Regardez, une seconde sans toi est égale à une éternité. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été aussi fun pour vous que pour moi. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je vais être ultra régulière. Je tiens à m'excuser parce que pendant longtemps j'ai pas posté, mais c'est parce que mon téléphone était cassé. Je ne pouvais rien faire du tout. J'avais rien, aucun moyen de filmage. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. On se revoit très très bientôt. Mouah.